Le Real de Madrid a trouvé le remplaçant de Eder Militao. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le Real de Madrid a trouvé le remplaçant de Eder Militao. Vous le savez bien, Eder Militao est blessé pour un long moment. Du coup, donc, le Real de Madrid se penche sur d'autres options pour le remplacer. On a parlé de Sergio Ramos, les gars. On a parlé d'un retour de Sergio Ramos. Du coup, donc, comme la piste de Sergio Ramos ne s'est pas faite, le Real de Madrid puise dans son académie, dans sa réserve, à l'occurrence ici, la Castilla. La Castilla, c'est l'équipe B du Real de Madrid, entraînée par Raúl González Blanco. Raúl González Blanco, légende du Real de Madrid, ancien capitaine du Real de Madrid. Donc, est-ce que ça va suffire? Il s'appelle Mavel. Mavel, il a 20 ans. Pour moi, les gars, c'est trop léger. C'est trop léger pour le très très haut niveau. Ça peut dépanner en championnat, mais en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. La Ligue des Champions ne pardonne pas, les amis. Donc, pour moi, je trouve ça encore trop léger. Est-ce que tu penses que c'est un pari risqué pour le Real de Madrid? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!